effectuent ne sont pas, n'ont pas préparé de chorégraphie. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment dans une phase d'affrontement contenue, c'est-à-dire qu'ils savent qu'ils sont dangereux pour leur adversaire, donc ils ne vont pas jusqu'au bout, ils risquent de le blesser, mais ils sont dans une situation où ils sont pleinement ouverts et le but, c'est vraiment de gagner. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on ne sait pas lequel va remporter le duel. Messieurs en garde. Deux gardes différentes. On voit ici un guerrier qui ne va pas forcément travailler beaucoup à la lance, c'est-à-dire qu'il est déjà en position de la lancer, il a déjà l'épée à la main. De l'autre côté, on a notre compagnon qui a pris une autre option, c'est-à-dire qu'il a sa lance et son épée positionnées dans la même position, ce qui fait qu'il peut rapidement lâcher sa lance. Il est déjà en position pour utiliser son épée. D'épaule pour venir percer le bras, sachant qu'ici on a quand même un réseau sanguin assez développé. Donc je sais pas ce que vous en dites, moi je dirais un ex aequo, peut-être qu'on peut reprendre le combat. Ouais, hein, non, il finit sur la tag.